YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière pour moi puisque ça va être la vidéo où je vais vous annoncer que j'ai quitté mon travail. Voilà, j'ai quitté mon travail pour devenir indépendante. Peut-être qu'il y en a qui étaient déjà là à l'époque. Il y a quelques années j'avais commencé à monter un projet de librairie itinérante. Et bah forcément le Covid est passé par là et beaucoup de soucis dans ma vie personnelle, voilà. Du coup ça a été quelque chose d'assez compliqué, mais voilà, j'avais décidé d'arrêter tout simplement et de reprendre un travail normal avec des grosses guillemets. Je suis restée 3 ans dans cette entreprise, c'était... Voilà, je pense que je pourrais dire genre des centaines et des milliers de choses sur ce que j'ai vécu pendant 3 ans dans ce travail-là, mais je crois que ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est de vous dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Du coup, je vais rouvrir Page Filante. Voilà, je vais vraiment débuter, créer mon projet. Pardon, j'ai mes cheveux qui me gênent. Je vais vraiment créer Page Filante cette fois. Je vais vraiment aller au bout et je vais monter les choses à mon image, chose que peut-être j'avais pas encore tout à fait la maturité de faire en fait il y a quelques années encore. Peut-être, sûrement même, c'est ce que je me dis en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui je reviens dans une mini vidéo pour vous dire ça, pour vous dire que bah voilà, je suis très heureuse de vous partager ça, que je suis très heureuse de commencer ce projet dans lequel j'avais déjà mis toute mon âme il y a quelques années et dans laquelle je vais mettre encore plus mon âme cette fois-ci, parce que vraiment c'est un projet qui me ressemble, c'est un projet qui est incroyable à mes yeux et les gens qui m'entourent, enfin j'en reçois genre un soutien absolument incroyable, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire, voilà. En tout cas, moi ça me fait du bien et j'espère que ça fera du bien à d'autres personnes qu'à moi, parce que le but c'est quand même de pouvoir vivre ma vie grâce à ça, soyons très honnêtes. Voilà, donc j'ai quitté mon travail salarié pour me lancer en tant qu'indépendante. Je vais être libraire itinérante, mais pas n'importe comment, pas voilà, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Je vais faire les choses à ma manière, à mon image, avec beaucoup de ma personnalité. J'ai l'impression d'être toute grise, genre c'est moi, genre j'ai un teint bizarre ou c'est juste parce que je suis dans un fond pas du tout coloré par rapport à d'habitude. Je sais pas, ça fait bizarre. Enfin bref, petit aparté, on s'en fiche. Mais voilà, et du coup, j'ai rouvert le compte Instagram Page Filante. Je vais tout vous mettre d'ici, voilà, soit cette vidéo, soit d'ici quelques temps, tout vous mettre dans la barre d'infos. Quoi qu'il en soit, si vous cliquez juste sur Page Filante sur Instagram, voilà, et ben du coup, vous avez accès à tout ce qui se passe, c'est un compte public, il n'y a aucun souci. Ce sera en lien aussi avec cette chaîne YouTube, avec ma chaîne d'ASMR, j'ai mon compte TikTok et je compte ouvrir une chaîne Twitch. Je vous en dirai un petit peu plus parce que du coup c'est vraiment genre Page Filante, genre pour Page Filante que je vais créer la chaîne Twitch. Je vais animer des animations, oui, je vais animer des émissions, etc. Voilà, j'ai plein d'idées, enfin, voilà, je vais faire plein de trucs, ça va être trop bien. Je suis aidée de mon meilleur pote principalement, mais aussi voilà, de tout mon entourage. Je reçois un soutien qui est très appréciable et qui fait beaucoup de bien. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira, que vous viendrez me suivre. Évidemment, bah voilà, on va essayer de développer un petit peu ces vidéos pour faire quelque chose de chouette. Voilà, j'aimerais bien faire une introduction de vidéo un petit peu plus travaillée, etc. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, plein d'idées, plein de choses à réaliser, à créer, à ouvrir, à faire, voilà. Mais si vous voulez suivre tout ce que je vais faire du coup pour ce projet Page Filante et pour Sony Books et pour Sony ASMR et pour tout,
tous mes projets. Et ben n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aller vous abonner au compte Instagram page filante, du coup c'est page filante au pluriel, il n'y a rien de plus simple, voilà. Ça me ferait très plaisir, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais voilà, il faut le temps de me remettre de mes émotions post-travail, travail traditionnel, voilà. Je peux vous cacher que ça a été dur de partir de mon travail après 3 ans, enfin voilà, j'ai quitté beaucoup de personnes incroyables à qui je peux toujours parler évidemment, mais voilà, que je vois plus tous les jours, que j'aime énormément, et c'était un quotidien très particulier. Voilà, je parle pas forcément beaucoup de ce que je faisais parce que j'ai pas forcément le droit en fait déjà. Je travaillais dans un milieu assez particulier et je peux pas trop en parler sur internet ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était un milieu très particulier que je ne connaissais pas avant d'entrer dans cette entreprise, et c'était très chouette, voilà, c'était très chouette. J'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses sur moi, sur ce milieu-là que je connaissais pas, enfin voilà, et je regrette rien. Et aujourd'hui, bah, je suis à fond dans mon projet et je sais pas, ça me porte et je suis heureuse en fait. Mais c'est vrai que je suis encore un petit peu, voilà, c'est l'heure où je vous tourne cette vidéo. Ça fait que quelques jours en fait qu'on a terminé, enfin que j'ai fini mon contrat quoi, voilà, donc eh bien moi et ma conscience, mon petit cœur fragile et tout, ma santé, tout ça, on se remet doucement de tout ça, voilà, ça prend un petit peu du temps, mais c'est cool. Et en attendant, du coup, je vais vous filmer une prochaine vidéo là, juste après. Donc voilà, la prochaine vidéo, je serai certainement habillée pareil, maquillée pareil, la même coiffure et tout machin. C'est juste que j'avais envie de séparer un petit peu ça, parce que c'est un petit peu particulier, je sais pas, pour moi ça faisait pas... Pour moi ça devait être une vidéo, même si elle est toute petite, même si elle dure que 5 minutes, bah voilà, ça devait être une vidéo toute seule. Et du coup dans la prochaine vidéo je vais juste vous parler de bouquins, voilà, donc ça sortira bientôt évidemment. Comme d'habitude je vais essayer de me tenir à ma vidéo du dimanche, ce sera déjà très très cool. Bref, en tout cas je vous fais des bisous, voilà, je vous répète, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu toutes mes aventures et tout. Je vous laisse avec les vidéos qui sont déjà en ligne sur la chaîne et le compte Instagram, le compte TikTok et blablabla. Je me répète pas non plus de trop, et je m'en vais vous présenter la pile de livres que j'ai juste en dessous, que vous ne voyez absolument pas dans l'arrière de la vidéo. Ça c'est bien, comme ça vous spoil pas trop. Vous êtes des coquins. Voilà, donc je vais vous présenter un peu tout ça, ce que j'ai lu, tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'on a pu m'offrir aussi pour mon anniversaire, parce que début septembre c'était mon anniversaire. Non, je n'ai pas filmé de vidéo depuis début septembre. Enfin si, le pumpkin, mais c'est tout. Voilà. Donc je m'en vais faire tout ça, et en attendant je vous fais plein de bisous, j'espère que c'était pas trop brouillon. Après ça reste moi, et sur cette chaîne on va pas être trop... protocolaire et tout ça, j'aime pas ça, donc voilà, on va rester comme on est, mais peut-être un petit peu mieux, voilà, prendre plus le temps de faire les choses, voilà, créer plein de trucs, ça va être cool. Donc voilà, en attendant je fais plein de bisous et moi je vais aller tourner ma prochaine vidéo, bye.